c'est heureux de vous accueillir d'abord au Cap Équitation pour le Cap Master Val d'Arrassy. Merci à vous. C'est une épreuve qu'on a créée, c'est sa deuxième édition qu'on a créée l'année dernière, qu'on va rééditer par la suite, qui a été créée à la suite d'un manque qu'on avait au niveau du championnat du Maroc, de certains cavaliers qui ne pouvaient plus participer au championnat du Maroc, problème de nationalité, problème de niveau, etc. Donc on a décidé d'ouvrir ce championnat avant le championnat, qui est préparatoire au championnat du Maroc en même temps, oui. et de donner à tous la possibilité de concourir sur un concours de gros niveau et de se confronter aux plus grands champions marocains, quel que soit leur niveau, la valeur de leurs chevaux, ils peuvent participer. C'est familial, comme vous pouvez le constater, on a toutes les familles qui sont là, on fait ça pendant le Ramadan. Ça permet d'être en famille, d'être un moment de détente, d'être un moment de plaisir. On a réuni cette année plus de 420 ou 430 cavaliers, enfin passages de chevaux, poneys, dressage. Nous avons des gros sponsors qui sont venus nous soutenir, toujours avec le soutien de Abdelkibir Ouda, de Farid Amalzar qui nous supporte techniquement et sur toute la partie transport de chevaux et hébergement, et qui nous rend beaucoup de service. Les autres clubs également, qui nous soutiennent, et surtout la fédération. La fédération qui aujourd'hui nous soutient à 100%, nous prête tout ça, toutes ces infrastructures qu'elle peut mettre à notre disposition, son personnel, ses juges qui viennent même bénévolement nous aider. Donc c'est vraiment une opération aujourd'hui. Vraiment soutenu à 100% par tous, par tous les cavaliers, par tous les membres de la fédération, par son secrétaire général qui vient également bénévolement, que je remercie aussi, par son président qui a toujours été présent à nos côtés dès le premier jour, qui nous a prêté ses chronomètres, qui nous donne accès à ses juges, qui nous donne accès à ses ressources, qui communique pour nous sur le site de la fédération et qui essaie de promouvoir notre événement avec le même dynamisme qu'il essaie de promouvoir tout le reste de l'équitation. Master. Donc on a participé dès le premier jour, donc l'année dernière déjà, c'était une réussite. Et là le CAF nous confirme vraiment la qualité au niveau de l'organisation, au niveau de l'ambiance. Et on se croirait vraiment en international parce que tellement il y a des cavaliers, il y a une concurrence dans toutes les catégories. Donc vraiment il y a du sport. Comme vous avez vu, c'est un Master Maserati CAF 2017, c'est la deuxième édition. C'était un challenge qu'on avait fait puisque au championnat du Maroc, il y a beaucoup de catégories qui commencent à disparaître. Alors on a voulu créer un petit challenge pour les cavaliers non participants et des cavaliers participants. Ben, on a commencé un petit truc amical et comme vous voyez, les gens sont très contents. Ils adorent l'ambiance qu'il y a dans ce challenge et c'est grâce aussi au président du CAF, M. Daniel Gitan, qui nous a aidés financièrement, moralement, physiquement et tout, à nous aider. C'était pour nous un rêve qu'on n'avait jamais réalisé, mais bon, comme vous voyez, c'est une deuxième édition qu'on a plus de monde. Juste pour info, l'année dernière, il y avait 250 engagés, cette année, on est à 420 engagés. Déjà, vous voyez sur la plateforme des cavaliers, tous les cavaliers sont là. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire un master pendant toutes les années, surtout la période du Ramadan, le mois sacré, et arriver à avoir un international à la fin. D'accord, alors je voulais justement vous poser la question, est-ce que vous avez cette ambition-là d'en faire une compétition internationale, de faire venir des cavaliers de poids, de renommée mondiale? La vérité, pour nous, le master, c'était un rêve. Oui. Mais là, ça devient réalité. Oui. Pourquoi pas? On aimerait bien.